Ok. La plupart du temps, les débutants se demandent toujours, est-ce qu'il faut d'abord traquer des fichiers avant de les commit? Donc, je vais vous dire, c'est pas obligé, c'est pas obligé. Vous pouvez directement commit vos chains sans d'abord sans avoir les traqués. Mais attention, sachez exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est recommandé toujours de traquer les fichiers. Donc, je vais dire stage. Ajouter dans le staging state avant de les commit. Mais si vous êtes vraiment pro et que vous comprenez purement ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez vous comprenez purement ce que vous êtes en train de faire et que vous n'avez pas vraiment besoin de peut-être les traquer d'abord avant de les commit, vous pouvez le faire. Donc ici, je vais vous montrer la commande qui vous permet de le faire directement sans avoir utilisé le GitHub. Donc on va d'abord faire le clear ici. Et pour ça, on va faire une dernière, on va faire d'abord une modification dans notre fichier 2. Par exemple, je vais dire echo, cette fois-ci, good, dans notre fichier file2.txt. Et ici, c'est bon, donc on vient d'ajouter quelque chose là-bas. Vous pouvez directement voir que on vient d'avoir encore ceci, qui veut dire un fichier a été modifié. Et pour ça, on peut même faire un git status qui nous montre bien que le fichier 2 a été modifié. Maintenant, nous, on veut, au lieu de traquer d'abord comme on le fait généralement en faisant git add, et puis on met le fichier 2, nous allons faire tout simplement git commit, comme vous pouvez voir ici. Je vais dire A pour dire all, et puis je vais dire M pour dire le message, et à partir d'ici, je peux ajouter le message. Mais vous pouvez également tout simplement ajouter les deux pour dire commit all the changes. Donc vous voyez chain not stage for commit. Donc ça va faire git add et puis ça va faire git commit à la fois. Donc pour ça, j'ajoute M pour le message et je dis ici just edited the second. Okay. Vous voyez, donc, et puis j'appuie sur entrer. Ce qui se passe, c'est que vous voyez, voici l'ID du commit et just edited le message. Ils disent one file change. Ils peuvent vous dire zero section, zero deletion. Donc, mais ce qui est cool, c'est que on peut voir exactement que notre master vient de changer encore pour dire tout est bon. Donc, j'ouvre un peu ce dossier dans notre VS Code que vous voyez concrètement de quoi on parle depuis, parce que je sais que certains jusqu'à présent ne sont pas trop satisfaits comme nous travaillons dans le terminal, mais pour ça j'appuie tout simplement code et j'appuie espace D. Si ça ne marche pas chez vous, essayez de Google pourquoi ça ne marche pas et rectifiez ce problème, parce que normalement sur Windows ou sur Mac ça devrait bien marcher. Donc si nous on rend les choses un peu plus cool en tirant là et puis on ferme le fichier, si j'entre ici, vous voyez bien hello et vous voyez world. Ça, c'est des trucs que j'ai ajouté sur notre fichier 1 depuis mon terminal avec la commande echo. Donc ça, j'espère que vous avez également appris l'autre là. Vous voyez notre fichier 2 là, il est également avec notre hello écoute. Donc j'espère que vous avez compris. C'était juste pour vous rassurer que en principe nous ne sommes pas en train de faire de la magie. On utilise tout simplement le terminal pour modifier les fichiers. Voilà, donc c'était comme ça que on peut commit un fichier ou des modifications sans forcément les ajouter dans le staging state.